Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va excellemment bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de notre série de l'été. J'espère que vous allez kiffer cet épisode parce que les frérots, vraiment, je suis désolé pour ces derniers épisodes. Alors, le précédent épisode, j'espère qu'il vous a plu, sans vous mentir. Alors, ça fait 11 épisodes que je tourne évidemment à l'avance, je vous le rappelle, donc je connais pas encore vos retours. Mais tout de même, le dernier épisode était plutôt sympa puisqu'on était dans les mines, mais je sais bien que les épisodes précédents étaient pas forcément faramineux parce qu'on était beaucoup dans la maison et on avançait pas beaucoup, bien que notre maison est quand même, je trouve, plutôt sympa et j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fait en off, j'ai hâte de vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui pour cet épisode. Avant toute chose, regardez ce petit chapeau que je me suis mis des Sims, vous savez, alors pourquoi, juste petite transition, écoutez, j'hésite à m'acheter les Sims, non parce qu'en fait au moment où je tourne cette vidéo sur Eneba, il est à 4€ les Sims 4, du coup... je sais pas si je vais le prendre, je sais pas s'il y a un intérêt, j'ai jamais joué aux Sims, et du coup, je suis un peu en hésitation. Bref, donc bon, de toute façon, le temps que cet épisode sort, je l'aurais probablement déjà pris, si jamais je l'ai pris ou pas. Bref, aujourd'hui, pour cet épisode, on va partir de cette île, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mine de rien, on a bien avancé. On croirait pas comme ça, mais on a bien avancé, et quand je regarde la liste des objectifs, et ben en fait, faut qu'on se barre d'ici pour pouvoir faire nos objectifs. Déjà, vous savez que pour tout ce que j'aimerais faire, à savoir notamment... ce fameux radeau, il nous faut des laisses, mais pour faire des laisses, il nous faut des slimes. Donc impérativement, il nous faudrait vraiment qu'on trouve des slimes, donc qu'on trouve, j'imagine, un biome marécage, des trucs comme ça. Il faudrait aussi qu'on visite 5 épaves, 5 ruines sous-marines, et il faut forcément aussi qu'on trouve des colliers, des loots vraiment sympas. Il nous faut un trident aussi, ça c'est dans la liste des objectifs. Bref, tout ça, les amis, pareil pour la tenue de plongée complète, ça c'est en tuant des zombies noyés. Donc tout ça, c'est lié au fait qu'on doit trouver des ruines sous-marines. Donc les amis, pour cet épisode, on va partir de nouveau à l'abordage. Et ce qu'on va faire, on va partir direction la jungle que j'ai trouvée en off, puisqu'il c'est très très loin. Et je vous ai dit que vraiment, j'ai pas non plus tout fait en ligne droite. Alors attendez, enable. Du coup, si on fait une ligne droite jusqu'à la jungle à 6000 blocs, on devrait, voilà, je pense qu'on devrait trouver beaucoup de choses très sympas. Mais avant toute chose, avant qu'on parte les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vais vous montrer ma maison. Ça y est, je pense que vous allez me piper. Parce que je pense qu'en commentaire, vous êtes tous en mode « Eh, mais Mkolo, fais comme ci, fais comme ça ». Je vous l'accorde, il y a des trucs, c'est pas terrible. Et ben maintenant, j'ai changé. Alors, déjà, j'ai foutu mes fours dehors, j'ai fait des blast furnaces, et je les ai mis dehors pour le RP, parce que des fours qui font cuire... enfin bref, des fours tout court comme ça... Enfin non, des fours dans une maison, c'est normal. Mais je veux dire, des fours blast furnaces qui font cuire des minerais à l'intérieur d'une maison, c'est un peu complicado, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Alors, il manque encore un truc. Mais vraiment, hein, quand on ira dans le Nether, ça fera du bien, mais on va mettre des trucs de glowstone hein, dans la maison, parce que là, les torches, ça me fait chier. Ah, vous avez déjà été spoil, j'ai mis des escaliers. Voilà, je pense que vous étiez nombreux en commentaire à dire « Arrête avec les échelles, mets des escaliers ». J'avoue, bah je l'ai fait, je l'ai enfin fait. La cuisine, oui, les coffres, je les ai dégagés, oui, alors que j'ai dit que je ne le ferais pas. En fait, bah du coup, si, et c'est bien mieux comme ça. On a pu mettre le lavabo ici, et d'ailleurs... Mais oui, je suis un sombre connard. On peut mettre... Mais oui, je suis complètement con. Excusez-moi, mais c'est vrai, j'avais oublié. On peut mettre de l'eau. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, regardez, le soleil couchant, comment c'est magnifique. Attendez, faut qu'on en profite. Voilà, profitons du spectacle, les amis. Si déjà nous sommes là, profitons un petit peu du spectacle, j'ai envie de vous dire. Oui, attendez, je redescends. On va remplir le lavabo. Voilà, bon, on va pas le mettre plus haut, hein. On récupérera l'eau après. Donc voilà, le four je l'ai mis là. Donc on ne peut pas faire, on ne peut que faire chauffer de la nourriture. Hein. J'ai essayé, c'est pour ça que j'ai fait des blast furnace en extérieur. Ici j'ai mis le grill, le frigo je l'ai pas bougé. Les placards c'est mieux comme ça. Enfin du coup ils étaient déjà comme ça, mais comme maintenant la cuisine est plus grande, c'est quand même mille fois mieux, disons-le. Et puis les fruits juste là. Je pense que là on est quand même mieux, hein, disons-le. Bon, ensuite on monte. Oh là, attendez, il faut fermer la porte. Tout de même. Bon, on monte. Alors, oula, il fait très très sombre. Oh, changement d'ambiance noire. Voilà, du coup, ça n'a pas changé. Ah, j'ai fait du coup le paper wall. Pas ouf. Enfin, si, du coup, c'est sympa. Moi, ça me plaît. Je dis pas ouf, mais je change d'idée. Mais du coup, c'est bien parce que tu sais, quand tu dors, voilà, tu te sens un petit peu plus en sécurité. C'est un peu le principe du paper wall. Enfin, du mur en papier, disons, pour se changer. Ici, je peux me mettre tout nu sans que personne me voit. Incroyable. Mais c'est vrai que ça manque un peu de déco, mais le paper wall rajoute un petit truc. Hein, on va pas se mentir. Et du coup, les coffres, ils sont où? Ils sont là, mais magnifiques. Alors, il faudra un petit peu plus que je range. On va un petit peu aérer, il fait chaud par ici. Hein. Ah oui, d'ailleurs, regardez, la crafting table, elle est en bois de bouleau. J'ai découvert ça, voilà, parce que du coup, je voulais crafter
J'ai crafté avec le birch et du coup ça fait ça et c'est plutôt stylé. Je sais pas si ça vient des mods ou si c'était déjà en vanilla et que je viens de découvrir ça. Faudra qu'on se fasse un pupitre. Ah oui, parce que du coup, le journal de bord au bout du 11e épisode, les amis, il est là. Ça y est, j'ai commencé à l'écrire. Alors je vais pas vous montrer le but, je vais pas vous spoil, ce sera à la fin de la série que je vous lirai tout ce que j'ai écrit. J'ai mis des petits trucs assez rigolos, voilà, je ne vais pas vous montrer. Hein. Le but du jeu, c'est de lire ça à la fin. Et à chaque fin d'épisode, j'écris un petit mot. Maintenant, je l'ai fait et ça c'est cool. Donc du coup, les 10 premiers épisodes, je les ai tout fait d'un coup, vous l'aurez compris. On va prendre un petit peu plus de nourriture parce qu'à mon avis, on va être dans le mal. Avant de partir, il nous faut un bateau. Un bateau, mais je suis bête, on a déjà des bateaux de près. Non, ce qu'il nous faut, c'est des blocs qui nous permettront de pas être dans la mouise. Et on va prendre des blocs de jungle, on s'en fout. Des blocs de bois, de jungle. Et est-ce qu'on a de la cobble? Ouais, bon. C'est pour pas être dans le mal. Ah oui, alors ce qu'on va faire aussi, attendez, on va prendre l'émeraude. Voilà, on va prendre l'émeraude. Et ce qu'on va faire, c'est pas ça. Ce qu'on va faire, on va d'abord passer par l'île village. Hop! Parce que, je sais pas, sur un malentendu, on peut faire des échanges, d'accord? Et sur un malentendu, on pourrait avoir des slimes, je sais pas, c'est ce que je me dis. Donc on va prendre ça, les minerais là, oh là, on va les ranger, pep, pas de ça entre nous. Alors, si les villageois échangent du fer, je suis un peu dans le caca. Je pense, attendez, je vais prendre du papier. Peut-être qu'ils en veulent. Je vais prendre de la canne à sucre aussi. Bon, le but, c'est de pas trop prendre... Ah ouais, c'est ça un peu le... Là, on est un peu dans le mal. Non, je vais pas prendre. Je vais garder l'émeraude parce que je suis sûr qu'ils vont faire des échanges d'émeraude. Mais je vais préférer... Voilà, le but, c'est qu'on parte avec le moins de choses possible, quand même. Parce que sinon, on va être dans la galère quand on va récupérer des choses. Ok, bon, on y va, les amis. Trêve de blabla. Les escaliers, ça fait quand même vachement plaisir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, 800 mètres. On est parti. On va prendre le bateau. On va quitter cet endroit, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire, on va aller rapidement à l'île où il y a le village, voir les échanges de possibles. On va faire des screens aussi, si jamais, comme ça, pour les prochaines fois, on pourra prendre tout ce dont on a besoin. Et ensuite, on va aller dans cette direction, donc direction la jungle. Le tout en regardant sous l'eau, comme ça, un petit peu, de sorte à ce qu'on puisse ne pas passer à côté d'épaves, mais aussi et surtout... de ruines sous-marines. Alors ce que j'entends, je rappelle, regardez, il y avait un animal trop mignon. Bah c'est un dauphin totalement. Ce que j'entends par ruines sous-marines, qu'on soit bien d'accord les amis, c'est pas les trucs avec les guardians. C'est vraiment là où il y a les zombies noyés, où il y a un petit coffre, où il y a, voilà, vous savez, les blocs de... Enfin voilà, les ruines sous-marines, mais pas les temples. Pas les temples sous-marins, qu'on soit bien d'accord les amis. Que je ne vous entende pas dire. Eh ! Là-bas, j'ai vu un zombie noyé par contre. Alors là-bas, j'ai vu des zombies noyés. Ah ! Ah ! Ce ne sont pas des zombies noyés, ça, messieurs, dames. C'est quoi ? Mais si, c'est des. Mais c'est des poulpes. C'est des poulpes ? Mais attendez, mais. Il est bizarre ce poulpe. Mais attendez, mais il est trop chelou. Qu'est-ce qu'il a lui ? Ah non, mais c'est un poulpe qui a un chapeau. Yo, mais alors, moi je suis un imbécile, c'est pas possible. Bon, allez, on y va, excusez-moi. Ah, putain, mais je suis pas l'un des meilleurs. Je suis pas l'un des meilleurs. Et c'est vrai, punaise, je peux m'aider en haut à droite de la minimap quand même. Mince, je me suis trompé de touche, c'est quelle touche, c'est comme ça. Parce que du coup, ça va quand même pouvoir nous aider pour trouver éventuellement. Bon, en vrai, c'est un peu compliqué à interpréter les formes. Par exemple, là, je vois qu'il y a un truc. Pas du tout. Absolument pas. Bon, écoutez. C'est bizarre, je ne sais pas. Allez, on va vite faire un tour là-bas. Et après, du coup, direction la jungle, évidemment. 9-2, c'est la jungle. Ah non, c'est pas la jungle, c'est la Champions League. Pardon, je me disais bien, je me suis trompé. Allez, c'est parti. Mon kiki, n'oubliez pas le pouce bleu. Et franchement, j'espère sincèrement que cette série vous plaît. Je suis désolé pour, comme dit les précédents épisodes, je suis un peu déçu. C'est pas que je suis déçu de moi-même ou quoi, mais je suis un peu... Voilà, j'espère vraiment que ça ne vous a pas refroidi, parce que sincèrement, cette série, j'y tiens, je la kiffe, et je vais vraiment la faire jusqu'au bout et la terminer comme il le faut. Vraiment, on va faire en sorte de ne pas passer à côté d'objectifs et de ne pas trop bâcler. Il y aura forcément des choses où on va passer à côté, c'est complètement normal. D'autant plus que... Putain, mais il m'a fait peur, ce dauphin. Il m'a fait peur. D'autant plus que c'est des objectifs qui ont été créés par moi-même, hein, qui ont été donnés comme ça, donc c'est pas comme un jeu
avec des objectifs prédéfinis et où tu sais que tout est réalisable. Là, on sait pas trop. Hein. Je me suis lancé dans un truc, mon pote, on sait pas. Hein. Donc voilà. Allez, on est arrivé à l'île village avec les phoques. Voyons voir. Toi, t'es bête, ok. Voyons voir ce qu'ils ont à nous échanger. Bonjour. Cher putréfié. Ah voilà, donc émeraude contre redstone. Pour le moment, ça ne me plaît pas. Par contre, je vais faire un petit screen. Parce que la chair putréfiée, on en a. Voilà. On en a et on sait pas quoi en faire. Et donc, ça tombe bien. On va pouvoir faire ces beaux échanges. Lui, il échange rien. Et lui, il échange rien. Ah. On est mal barré. On est mal barré, les copains. Par ici. Mais attendez, mais il n'y a pas de... Allô ? On n'a pas de villageois là ? Et attendez, je suis déjà allé là. Ah, il y a un villageois. Ouais, mais non, mais lui sert à rien. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle, une bonne trouvaille pour le villageois qui échange chair putréfiée versus émeraude. Ça, c'est cool. Maintenant, faudrait qu'on ait des échanges sympas contre de l'émeraude. Ah ! Ouh, voilà du paper. Du paper et la émeraude contre empty map, ça sert à rien. Mais de toute façon, quand on va faire des échanges, ça va nous débloquer d'autres choses et ça c'est cool. Donc, let's go. J'ai fait un petit screen aussi. Du coup, j'aurais dû ramener du papier, j'en étais sûr. Bon, c'est pas grave. Au moins, on saura. Par contre, c'est vraiment les deux seuls villageois ? Sans déconner ? Ah. Non, lui, il échange rien. Alors là, mon pote, on est sur une arnaque level 1000. Bon, bah écoutez, je crois que c'est les deux seuls compétents du village. Malheureusement, toi on est d'accord que tu es con. Ok, bon bah écoutez, c'est pas grave. On va partir du coup, direction la jungle. On n'aura pas fait ça pour rien, parce que bon déjà c'est sur le chemin. Mais surtout, voilà, au moins on sait ce qu'ils ont à nous échanger pour le moment. Et c'est totalement ce qu'on a. Donc une épée, non excusez-moi, je disais ça parce que je regardais l'état de mon épée. Heureusement que j'en ai une autre. On a donc du papier et de la chair putréfiée. Qu'est-ce que c'est là en dessous? On a une faille, je pense. Pourquoi il y a des bulles? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il n'y a absolument rien. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, ce sera un épisode où on sera beaucoup sous l'eau. Hein, qu'on soit bien d'accord, vous l'aurez compris. J'espère que ça va vous plaire aussi tout de même. Hein, parce que bon, on est quand même là pour ça. Donc là, je regarde. Visiter 5 épaves, ok. Il nous en reste plus que 3 à visiter d'ailleurs, une petite parenthèse. Visiter 5 ruines sous-marines. Faire une montagne russe qui fait le tour de l'île. Bah ça avec la redstone, y a pas de problème, mon pote, on va se le faire, mais ça on fera vers la fin. Bon, la fin qui est proche. Non, ça va. Hey, calme, tranquille, l'été fait que commencer, les gars. Mais on se comprend. Crafter un voilier, donc ça ce sera quand on aura des slimes. Hein. Tant qu'on n'a pas de slime, on pourra pas. Donc là, l'idéal ce serait de pouvoir trouver aussi des slime balls, tout simplement. Construire un totem, bon ça c'est très simple, hein. On va prendre de la cobble et on va faire un truc plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah putain. Voilà, je me casse au plus vite. Voilà les guardians, donc ça c'est absolument pas ce dont je veux explorer, vous l'aurez compris. Oh non, on a 5 minutes de mining fatigue. Putain, et pardon avec la vulgarité, mais... Avec le shader, j'avais pas capté que c'était une... un temple de guardian, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, si j'enlevais le shader, on pourrait voir sous l'eau de manière aisée. Mais sincèrement, si j'enlève le shader, c'est tout de suite moins joli. Et j'ai pas envie de vous proposer ça. Donc, je préfère mettre la tête sous l'eau comme ça. Et je pense que personne n'y verra d'inconvénient. Par contre, il va faire nuit. Heureusement que j'ai pris des blocs sur moi, au cas où. Parce que là, je vais pas pouvoir dormir... À mon avis, tout de suite. Et ça, c'est con. Bon, après, vous inquiétez pas. Hein. Dans quelques temps, on aura de la terre ferme. Là, ce qui m'embêterait, c'est qu'il y ait un voilier ou un truc. Et que comme il fait nuit, on puisse pas aller explorer. Ça m'embêterait vraiment. Donc là, j'aimerais vraiment qu'on tombe sur de la terre ferme. Voilà, je vous le dis. Ce serait mon souhait. Ce serait mon souhait. Bon, les amis. Oh d'ailleurs, excellente nouvelle, oh, j'en parle. Autant en parler.
Bon, maintenant, au moment où cet épisode sortira, je pense que tout le monde sera déjà au courant. Mais au moment où je tourne, l'annonce a été seulement annoncée. Far Cry 6, les gars, va sortir. Va sortir, on a la date. Je crois c'est en octobre. J'ai déjà oublié, hein, ils viennent de... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Alors là, mon pote... Oh, regardez des baleines! Non, c'est des orques. Et eh ben voilà, on découvre des nouveaux animaux. Par contre, on va pas pouvoir dormir, je suis dégoûté. Là, je suis dégoûté. Voilà, je vous le dis, on n'a pas de terre ferme, c'est le caca. Ça, je pense que c'est un beau bug. De toute évidence, c'est un beau bug de shader. Voilà, je vous le dis, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Comment on a grandi? Voilà. Oh là là, on n'a pas de terre ferme, il faut qu'on dorme. On va prendre cher là, on va prendre cher pour rien. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Yes. Yes. Oh, on a de la chance. Oh, on a de la chance, les amis. Oh, quel bonheur. Ouais, j'ai toujours mining fatigue en plus. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de monstres. Un village. Yes. Trop bien. Il y a des zombies déjà. Oh, oh non. C'est la merde. Oh, il y a masse monstre. Il y a masse monstre. Yamas monstre. Ok, bon là on va pouvoir découvrir des nouveaux trucs et ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais là on est dans la merde. Oh, on est dans la merde, mon pote. Vite. Adieu. Ah. Allez. Ah. J'ai peur. J'ai eu peur, c'est bon. J'ai mining fatigue, je peux rien faire. Bon, on va attendre qu'ils meurent tous. Nous, on va aller visiter le village. Oh, j'ai trop peur. Le petit zombie, là, je sais pas où il était. Je l'ai entendu, il m'a fait vraiment peur. Oh. Non, c'est un dauphin. Par contre, du coup, on a vu des orques, et ça, c'est stylé. Bon, on a entrevu, du coup. Mais on aura l'occasion d'en revoir d'autres durant cet épisode, je pense. Bon, les amis, je parlais de Far Cry 6, quand même. Oh. Pardon, excusez-moi. Oh, Nyan Cat. Il a un chapeau Nyan Cat. Big up à Créo. Incroyable. Oui, Far Cry 6, ça sort en octobre, et les gars, je suis excité, et j'aimerais vraiment, comme dit, vous faire un let's play dessus. Voilà, je vous le dis. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, et que vous kifferez. Bon, dans le doute, on regarde, hein, s'ils ont des trucs, mais... Oh oui, de la bouffe. De la bouffe. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Regardez! Sauvez Willy! Non, il va mourir! Willy! Sauvez Willy! Il faut sauver Willy! Il va mourir! Mais il est con! Mais t'es trop bête! Mais vous êtes bête! Voilà. C'est énorme! C'est énorme! Alors là, ça va être la miniature. J'aimerais faire une miniature. Oui! Je l'ai pris en plein vol. Magnifique. Vas-y, saute! Saute! J'aimerais que tu sautes. J'aimerais faire une miniature trop belle. Bon, en théorie, j'ai déjà un bon screen. Il est passé où l'autre d'ailleurs? Ah, il est là. Tout va bien. Oh là là, c'est beau. C'est beau quand même. Donc ça, c'est des... c'est pas des... Oui, donc c'est des orques. Qu'on soit bien d'accord. Il m'a fait un peu peur. Oh, des tortues. Alors, ils sont gentils, hein. Attends, ils viennent de buter la tortue, là. Attends, ils viennent totalement de buter la tortue, mon pote. Oh, ils ont buté une tortue. Bon, normalement, ils sont gentils avec moi. Hein. Mais je me méfie maintenant. Les dauphins sont des violeurs, méfie-toi des apparences. Putain, ils viennent de buter une tortue. Non? Non, c'est une tortue qui est morte toute seule. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je vais pas vous mentir. Bon, nous, on se casse. Hein, nous, on est là pour explorer. Et ça, ça fait plaisir. J'adore... Alors, je sais pas vous. Je sais pas vous, mais moi, j'adore ces épisodes où c'est pas spécialement concret. On se balade, on cherche un peu des trucs. Mais voilà, on fait des découvertes et on s'amuse. Là au moins on découvre les modes. Tu vois, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Bon, les villageois ici m'ont l'air complètement teubés. Je vais juste récupérer ça. Parce que moi je suis à soif de nourriture. Enfin, du coup, à faim de nourriture. Bonjour, il y a rien. Très bien. Ouais, on est un petit peu à la recherche des coffres, hein, tant qu'on y est. Il y a un coffre dans cette maison, non? On va y aller pour voir. Bon, donc notre île, elle est à 2000 blocs d'ici. C'est à la fois loin et à la fois pas loin. C'est un peu effrayant quand même.
Bonjour. Oh, un pupitre ! Oh, je prends ! Ça m'évitera de le crafter. J'espère que ça te dérange pas, monsieur. Hop. Ah merde ! Oh, c'est pas grave, on fout. Oh, je m'en fous complet. Allez, on se casse, on a un pupitre. C'est parfait pour le petit journal de bord. Hop. On récupère et là on a des biomes normaux et ça c'est cool. Par contre, j'ai le seum si là on trouve un biome jungle. Parce que franchement, j'en ai chié pour en trouver un. Hein, il est quand même à 4000 blocs d'ici. Comme dit, j'ai pas fait de ligne droite, donc vraiment bonjour à tous quoi. Allez. On prend ça et on repart. On va marcher comme ça. Par contre, un petit biome marécage. Oh là là, ce serait fantastique hein. Un petit biome marécage mon pote. Enfin, je dis ça mais en espérant qu'on tombe sur des slimes hein. On dirait. Non, c'est pas un biome marécage ça. OK. Bon, on va quand même rester à proximité de l'eau parce que ce qui nous intéresse aussi hormis les slimes que je doute qu'on trouve hein, comme ça dans cet épisode. Hormis les slimes, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait... Mais attendez, mais on dirait un pubis. Attendez, j'arrive. C'est un ours? Ah oui, c'est des grizzlies. Ça, à mon avis, ça m'attaque. Hein. Bonjour. Alors, faut pas... Non, c'est gentil. Faut juste pas se rapprocher des bébés, je pense. Oui, on va rester au niveau de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop mignon. Il m'attaque pas. Mais c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite créature. Alors il a l'air d'être méchant. Il est trop mignon ouais. Qu'est-ce qu'il loot? Ah il m'attaque. Forcément. Oh mais attends, mais c'est qu'il est chaud en plus. Oh. Bah il m'a rien looté. Je suis désolé du coup de l'avoir tué. Oh des vaches. Un animal classique. Oh, j'ai cru qu'il y avait un biome jungle, j'étais en mode mais non. Enfin vraiment là, j'aurais vraiment le seum hein, si on tombait sur un biome jungle. Il y a des pommiers un petit peu partout, vous avez vu, c'est incroyable. Ah, des abeilles. Des abeilles, c'est mignon par ici là. Ça change un peu de l'univers île. Bon, on va aller par là-bas. Hein. Tout simplement. Des petits oiseaux, on a vu des cochons. Des moutons, des oiseaux toujours. C'est vraiment très mignon. Ça me plaît beaucoup. Et on va suivre ce petit cours d'eau, ce petit fleuve, qui est plutôt mignon. Et qui va, je pense, nous rediriger vers l'océan. Oh! C'est la Alors là, les gars... Mais non, mais c'est la première fois que je vois ça. Alors, je sais que c'est pas rare. D'accord? Je sais que tout le monde en voit. Mais c'est la première fois de ma vie que j'en trouve un. Je vous le dis. Oh! Un bloc d'or. Et attendez... Fire charge, c'est pas ouf. Pépite, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Flint, s'en fout. Eh, mais c'est pas ouf. Franchement, eh, avec les mods, je devrais avoir des trucs super cool dans les coffres et j'ai que de la merde. Non, mais ça, on s'en fout. Hein. Knockback. On s'en fiche. Ça, je garde parce que c'est toujours sympa. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah ouais, c'est nul à chier. C'est pas grave. Au moins, par contre, on a un bloc d'or. Au moins, attendez, vous savez quoi, on va faire de la place. Ah, on va pas faire de la place en fait. Je me suis fait carotte. Ouais, c'est pas grave, au moins, on est de nouveau au bord de l'eau. Mais putain, mais casse-toi la mouche là. La mouche, elle me tourne autour. Grognasse. Allez, on y va. On y va, donc, la tête sous l'eau. J'ai récupéré mon lit, oui. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Allez, maintenant on trouve un petit temple... Non, pas un temple, pardon. Une ruine sous-marine. Un petit bateau aussi, ça peut être sympa. Je ne dirais pas non. Ce ne serait point de refus, comme on dit. Là-bas, un bateau, une épave. Yes. Yes, mon pote. Ça nous fait 3 sur 5, les amis. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Bon, les amis, vous l'aurez compris, hein, le prochain épisode, on va le continuer. Eh bien, loin de notre île, on va continuer notre expédition... Nos aventures. J'ai vu un zombie noyé, non? Putain, mais... J'avais l'impression de voir un zombie noyé. C'est pas possible d'avoir des hallucinations comme ça. Non, mais je suis sûr qu'il y avait un zombie noyé. Je rigole pas. Je rigole pas. J'ai vu un zombie noyé.
Bon, manifestement non. Alors, avec une tenue de plongée, ce serait quand même sympa. Hein. Parce que là, je vais me noyer. C'est beaucoup trop profond, putain. Non, mais je vais me noyer. Comment on peut faire? Comment on peut faire, les amis? J'ai pas la technique pour pouvoir respirer sous l'eau. À l'époque, c'était vraiment sympa. Mais là, c'est un peu complexe. Ah, on pourra aller là-bas après. Allez, on y va. On y va à fond. On y va à fond. On y va à fond. Ah, on voit rien, il faut une torche. Oh, il y a un trou d'air. Ouais, il y a un trou d'air, là. Oh, parfait. Quel bonheur. Qu'est-ce qu'on a? On a une treasure map. Parfait. Pardon? Ce bruit, c'est un zombie noyé, hein. Y'a un zombie noyé. J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! Ah! Il est là! Putain, il m'a fait peur! Bah, c'est parfait, faut que je le bute. Bon, il a pas de tenue de plongée aquatique. Alors, faut savoir que eux peuvent avoir des tenues de plongée aquatique. Et du coup, si tu les tues, tu les récupères et ce serait incroyable. Malheureusement, il n'en a pas. Ni de trident d'ailleurs. Par contre, il m'a fait angoisser là. Il m'a fait stresser de ouf. Oh, c'est beau. Il m'a fait stresser de ouf. Bon, dommage qu'il n'y en ait pas d'autres. Allez, on va continuer vers la terre là-bas et on va dormir là-bas. Du coup, j'ai récupéré un casque en cuir. Mais j'ai pas vu l'enchantement. Je pense pas que ce soit très terrible. Oh, c'est magnifique. Hop, la petite screenshot. Regardez, on se croirait dans le Far West. Vous trouvez pas? Ça fait pas un peu Far West? Non, mais c'est magnifique. Alors, je ne sais pas quelle miniature j'utiliserai pour cet épisode, mais magnifique. Franchement, c'était magnifique. Alors, c'est Far West, mais c'est pas un Far West. Hein. Qu'on soit évidemment bien d'accord. Waouh. Mon shader, il avait fait des bugs dans le ciel tout à l'heure, et là, il n'en fait plus. C'est un peu... C'était bizarre, j'avoue. Bon. Nous, on va dormir paisiblement ici. Hop. C'est quoi, Unbreaking? Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, allez. On pollue, mais... Bon, hey, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, ne faites pas ça dans la vraie vie. Hein. Ne jetez pas vos affaires, encore moins dans l'eau. Enfin, à n'importe ailleurs d'ailleurs, vous jetez ça chez vous, les amis. Dans les poubelles. Oh, mais qu'est-ce que ça m'énerve, ça, les amis. Bon, c'est une série de l'été détente, mais coup de gueule quand même. Tout... Putain, mais quand vous êtes dans votre voiture, dans votre camion, dans votre n'importe quoi, mais c'est quoi la passion que vous avez de jeter par les fenêtres et... Mais gardez ça dans votre voiture. Votre voiture ne va pas tousser parce que vous gardez des trucs dans votre voiture. Sans déconner. Bon, bref, attendez. C'est pas ouf. On va continuer par là. Dans ce genre de biome, il n'y a pas de slime, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai un doute. J'ai un doute, mais je crois pas. Pourquoi il y a de la fumée autour de moi? Putain, c'est énorme. C'est parce qu'il fait froid, en fait. C'est incroyable. Mon bateau. Hop. Mon bateau. On va bientôt s'en arrêter là pour cet épisode. Écoutez. Alors, attendez. Là, ce serait incroyable. Bon, là, au moins, l'épave, on l'a fouillée de fond en comble. Hein. Oh, j'aurais dû regarder la buried treasure map. Quel tocard. Bon, c'est pas grave. Ça a l'air assez loin. Bon, Osef. On regardera de temps en temps parce que si ça se peut, c'est totalement là où on va et ce serait stylé. Mais sinon, c'est pas bien grave. Parce que vous savez que ça, ça me prend la tête. Hein. Vous l'avez vu dans un précédent épisode. Hein? Ce sont des algues. Je croyais qu'il y avait un zombie noyé. Un peu déçu. Choqué, pas déçu. Allez. Oh! Yes! Une quatrième épave. Les amis, l'objectif est bientôt validé. Et elle, on va aussi pouvoir la fouiller de fond en comble puisqu'elle est à la surface. Parfait. Épave 4 sur 5. Je vous reçois 4 sur 5. Oh, trop bien. Ah. Pardon? Pourquoi? Allô? Ok. Alors, attendez, on va s'occuper de... What? What? Ça y est, il s'est ouvert? Oh, il y a une sorte de rollback. Buried Treasure Map, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Est-ce qu'on se fout de ma gueule? Et d'ailleurs, si je fais ça et ça... Ok. Non, je sais pas, sur un malentendu. Le papier, je prends, pour le moment. Et les plumes, je prends, mais si jamais j'ai trop de place... Enfin, si j'ai pas assez de place, justement, je jetterai ça parce que je m'en fiche un peu. Ah, ça, on s'en fout. Oh, Aqua Affinity. Ça, je m'en fous pas. Je m'en fous pas. Et d'ailleurs, on va faire l'expérience de suite. J'ai besoin de savoir.
Hop, hop, Aqua Affinity. Ça ne change absolument rien. Ah mais non! Non, non, oui, ça change absolument rien. Aqua Affinity, c'est... Mais non, ça change absolument rien. C'est pour nager plus vite. Ah. Par contre, j'ai pas envie de mourir. Du coup, je n'en ai rien à faire et je jette. Hop. Et je me casse. Et je me casse et on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un petit peu de dépaysement. Oh, attendez. Ah non, je croyais que... En fait, je regardais la minimap et je croyais qu'il y avait une épave. Mais pas du tout. Bon, on aura bien avancé. On se promène, on se balade, on arrive près de la jungle. Tranquille ou bilou. C'est vrai, d'ailleurs, du coup, j'ai pas exploré la jungle, hein, sachez-le. Hein. Moi, j'y étais allé vraiment que pour le bois. Hein. Donc, on va peut-être visiter aussi la jungle dans le prochain épisode, si on y arrive. Et ou dans l'épisode d'après. Voilà, on va prendre quand même quelques épisodes à récupérer les ressources qu'on veut. Et du coup, il y aura peut-être un monument, un temple, vous savez. Et du coup, bah, ça pourrait être plutôt stylé. N'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très vite, à savoir, vous le savez, dans 2 jours. J'espère vraiment que la série vous plaît. Dans 2 jours, nouvel épisode. On continuera là où on s'en est arrêté. Je bégaye, ça y est, je bégaye. Donc on va se retrouver ici même, les amis, près de cet arbre rose. Voilà, dans 2 jours. Hop, juste ici, quel bonheur. C'est Mkolo, près des mouches, incroyable. Je vous fais plein de bisous, de loin, comme d'habitude. Soyez prudents, bel été, c'est Mkolo. Ciao tout le monde, des bisous.